Bonjour, alors là on va faire le grimoire Harry Potter. Alors moi j'ai pris des photos sur des images sur Pinterest. J'ai imprimé. Donc ça c'est ma feuille imprimée. On met du papier sulfurisé dessus, le pistolet à colle. Et là on vient faire le dessin avec le pistolet à colle. Il faut quand même que ça fasse une petite épaisseur, hein. Je vais décaler un peu que ça se colle pas. Ça devrait être bon. Hop. Ah, la vache. Alors là, je vais essayer de faire un truc que j'ai jamais fait. On va tester ensemble. Je vais essayer de faire une mini baguette Harry Potter pour mettre sur l'album. Donc j'ai pris une pique à brochette, une perle.
Je vais mettre un petit point de colle pour fixer la perle. Et je la fixe de façon à ce que les trous, je ne sais pas si on va voir, hop, là. Après, on va essayer de faire un genre de tortillon, le tour. Peut-être dû garder le pointu. Je sais pas la longueur que je veux faire. Peut-être dû couper. Hein. Je sais pas si ça va couper ce truc. C'est parti. On la récupère. Est-ce que je vais arriver à couper un peu en pointu là? Avec le cutter. Alors là, c'est du. Ouais, je teste avec vous, hein, parce que j'ai jamais fait ça. Voilà, on va pas faire trop droit. On va essayer de finir jusqu'à la pointe. Hop là. Alors, est-ce que je fais comme avec le grimoire? On va tenter, on verra bien ce que ça donne. On va attendre 2 secondes que la colle sèche. Donc ça va donner à peu près ça. Est-ce que... Et la perle au bout. Je sais pas si vous voyez si c'est trouble ou pas trouble. Alors, est-ce que ça va être assez grand pour l'entortiller? Ouais. On va essayer de mettre de la colle. On va prendre ça. Pour en couler la baguette. Ça donne rien du tout, hein. C'est... on verra bien. Ouh, il y en a beaucoup. Et là je vais essayer d'en couler en haut. De la colle en bas. C'est du bricolage. Je mets le papier juste. Oh, c'est pas génial. C'est dommage parce qu'on voit plus trop le.
Après, voir ce que ça donne au séchage. Allez, on va laisser sécher, puis on verra bien. Peut-être que j'ai pas fait le truc assez grand. Je vais mettre à sécher. Alors, la mini baguette est sèche, on va essayer de la coloriser. Hop, là, je vais y arriver. Alors, un tout petit peu de peinture noire, j'en ai déjà de partout. D'habitude, je mets les gants parce que je m'en fous partout. Et du marron. Bon, j'ai pris une éponge de cuisine que j'ai coupée. Alors, je prends du marron et un tout petit peu de noir. Un peu de noir. Peut-être qu'il faudra plusieurs couches, hein. Je sais pas, on verra. Voilà. On va laisser de sécher. On verra pour mettre une autre couche quand ça sera sec. Bon, ça a l'air de rendre pas mal quand même. Petite mini baguette Harry Potter. Allez, on laisse sécher. Et on verra après. Bon scrap. Alors, pour l'étape suivante, on a besoin d'une boîte en carton. Après, on prend la dimension qu'on veut donner au grimoire. Et moi, là, j'ai pris une petite. Mais sinon, on peut prendre des plus grandes. Hop. Alors, là, j'ai pris le gros massicot parce que celui qui a la petite lame, à force, il n'apprécie pas qu'on coupe le carton avec. Du coup, là, si j'évite de casser la caméra, c'est pas mal non plus. Alors, on coupe les bords de la boîte. Hein ? Voilà, désolé pour le bouquin, pour le bruit. Et le dernier morceau, voilà. Alors, on se retrouve avec la base. Allez, on range le massicot. Et
Et là, on va avoir besoin de papier de soie. Alors moi, je garde tout ce qu'il y a dans les boîtes à chaussures, ou alors même à Action, quand ils nous emballent des objets fragiles, ils nous emballent là-dedans. Donc je les garde. On le froisse. Hop là. Alors, est-ce que les lettres sont bien sèches? Donc, on reprend les lettres qu'on vient de faire. Et on va venir les couler. Ah, même le carton. Voilà, je reprends mon pistolet à colle. Allez, le H. Ah, pourquoi il ne veut pas se couler? C'est mon doigt qui se colle. Ça n'était pas assez chaud. Donc le H est coulé. Prends un bâton de colle. Il n'aura pas assez sinon. Allez, et maintenant le P. On tient un peu. Voilà, la colle, elle prend. Enlever une boulette que j'ai fait. Pourquoi ça a coulé là? Après, c'est pas dramatique. Hein. Donc, on prend la colle. Oh. Et on en met généreusement. Après, avec le pinceau, on étale.
pas le temps qu'il fait chez vous, mais alors nous, chez nous, aujourd'hui, temps exécrable. C'est gris, il pleut, il y a du vent. Vivement l'été. Ça commence à être long. Qu'on puisse profiter un peu du jardin. Alors, on pose le pinceau, on prend notre feuille qu'on a bien froissée avant, hein. On essaye de se mettre en haut, hop, voilà, et maintenant on fait coller la feuille. Alors l'angle, attention, bien faire les angles et les bords, c'est le plus important. Après le reste, ensuite alors là on insiste bien pour faire ressortir les lettres. Je sais pas si on va bien laisser un peu. Après j'en ai eu fait sans rien mettre et j'avais juste mis des embellissements en fer qu'on trouve à Lidl, à Action. Hop, je vous le montrerai. Hop. Là, on devrait être pas mal. On voit bien le H, mais on voit bien le P. Et on fait pareil, on continue, on va remettre de la colle. Allez, on continue de ce côté. Là, il y a un trou, mais c'est pas grave.
quand même que ce soit bien, que ça ait bien l'air froissé. Là, on va monter un peu. Et là, on va descendre, voilà, pour boucher un peu le trou. Mais après, ça se verra plus qu'il y avait un petit trou là. Donc, c'est pas grave. Hop. Alors, on va insister là, le coin. Voilà, alors fais voir. Une fois que ça c'est fait, il faut laisser sécher. Moi je laisse sécher bien la moitié d'une journée. Donc voilà. Moi je laisse sécher comme ça. Voilà, bien. Là, je vais le pied pour faire le grimoire. Bon, on va mettre à sécher et puis une fois sec, on continuera. La couverture, la colle a séché, donc ça va donner ça. On va peut-être un peu relever. Là, ça sera mieux. Alors là, il faut s'équiper. Hop. Là, je vais prendre ça. Je me mets là. On met des gants. Sinon, on en a partout. Il faut la peinture noire, la peinture marron, l'éponge, un petit bol. Alors la peinture noire, la peinture marron. Après je fais marron et j'ai déjà fait avec du rouge, du vert, du bleu. Ce qu'on préfère. Alors hop, je trempe dans le marron, du noir et on y va. Si c'est pas assez foncé, on fait à peu près la couleur qu'on veut, qu'on désire avoir.
au final. Je vais mettre un peu plus de clair. Non, on voit bien. Hop, je vais remettre du marron. On essaie de bien insister là où on voit un peu du blanc, parce que du coup il y a des pliures. Toujours, de toute manière, après, une fois que c'est sec, on voit s'il faut redonner une deuxième couche de peinture. Vous voyez bien le H et le P de Harry Potter. Est-ce que si on le fait essayer de mettre juste de la peinture que sur la lettre pour la faire un peu ressortir un peu plus. Hop. On va mettre un peu de noir. Ça le ressort un peu mieux. Hop, noircir un peu là. Avec la lumière, je vois pas bien. J'essaye de foncer un peu plus en... là au niveau en dessus et en dessous des lettres pour que le H ressorte un peu plus. Sans trop faire du noir noir. Juste sur le P, un peu plus de marron clair.
Alors, une fois que la peinture est sèche, on va venir prendre le ciseau et on va venir couper l'excédent de papier. Là, ça s'est coulé à l'intérieur. C'est pas très grave, hein. Hop. Alors, une fois qu'on a enlevé, ça commence à prendre forme. On essaye de couper ce qui dépasse de trop. Voilà. Hop, peut-être là. Ça veut pas. Là. Non, c'est là. Ça fait un gros boudin quand même. Voilà. Là aussi. Même. Ensuite, on prend une feuille. Est-ce que je prends noir ou je prends la marron clair? Non, je vais prendre la noire. Prendre la noire, mais la fine. Pareil, le pinceau. Je vais y arriver.
Alors la colle. On va mettre un peu moins que tout à l'heure. Hein. J'ai pas vérifié, dis donc. Ah. Mince, j'avais pas vérifié. On va mettre deux feuilles. Ou alors, on va faire, on va mettre comme ça. Et on fera une pochette de l'autre côté. Allez. Alors, on marque le pli. J'ai pas pris le sopalin. Mince. Après. Non, par contre, là, à chaque fois, j'utilise presque un pot de colle. Allez. Le pinceau, ça je vais le plier en deux. Enfin, on va prendre. On marque la deuxième pliure. Donc là, je reprends mon massif chrome. Et il me faut une bande de 7 cm. Que je vais venir coller ici, mais que je colle que sur les bords. Alors là on va faire 7 cm. Allez. 7 cm, ça doit être à peu près 7 cm. Voilà. Hop.
Je vais aller plus loin. Et on refait l'opération de découper sur les bords. Et voilà. Je vais tailler un ciseau parce que la colle. Voilà. Donc, on se retrouve avec la pochette. Après, on réajustera un peu la peinture où il y a des petits les endroits où c'est un peu blanc. Voilà. Et ça va donner ça. Avec la pochette. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré la petite la mini baguette. Hop, alors là avec l'encre et mon pad, je fais les bords là où ça pourrait être un peu blanc. Et puis hop, j'ai passé un peu comme ça sur déjà sur la lettre pour essayer de la faire un peu ressortir. Ah, ça fait sympa. Hop. Un peu sur les aspérités. Là, je ne l'ai pas fait du tout. Hop. Voilà. Sur les bords, on continue sur les bords.
Un peu sur la couverture. C'est la première fois que je me sers des pads encreurs, des tampons encreurs là. Et pour faire ce que je fais, c'est très satisfaisant. Hop. Donc ça ressort pas mal le HP. J'avais déjà fait, mais pas encore avec des lettres. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc la prochaine étape là. Là, on voit un peu de blanc. La prochaine étape, mettre les feuilles à l'intérieur. Alors maintenant que la peinture est faite, le papier intérieur également, on va faire, alors moi j'ai déjà découpé, après on découpe selon la dimension du carnet qu'on a fait. Pour moi là ça fait 6,5 sur 19,5. Ouais. 6,5 par 19,5, sept et demi par 19,5. Hop, c'est parce qu'après je vais rentrer un peu là dedans. Deux par 19,5 et le der. Bon, ça rend pas mal. Je viens de changer la batterie, ça a coupé, donc là c'est 2 par 19,5 et la dernière elle est 13,5 par 19,5. Voilà, donc on va commencer le collage. Tu la colles bien. Oh là là. Alors, je suis allée à l'action, j'ai enfin eu les encres, les pads d'encre. Ça fait un mois que je les cherche partout. Ne pas désespérer.
déborde. Ensuite, c'est le milieu. J'ai oublié de mettre le cordon. Oh, punaise. Donc, faut pas oublier de mettre le cordon. On va bien trouver une solution. J'ai pris celui-là. Si je faisais, si je mettais un œillet, du coup, ça pourrait être sympa avec un œillet et je passe le cordon dedans. Je vais voir ce que j'ai. Donc, hop, je suis allée chercher les œillets pour celles qui n'ont pas de machine pour mettre les œillets. Pensez à mettre le ruban là. Et là, avant de coller le papier, du coup, moi, je vais mettre un œillet. Alors, 19 et demi, la moitié, ça va faire à peu près 9 et demi, un peu plus. On va dire 19,2. Là, c'est le petit. 19,2.
Je suis là. Et ouais, mais ça va tout trouer. Tant pis. 19,2. Donc là, je suis sur le petit. C'est le petit ou c'est le gros, ça, de trop? Ah, c'est le gros. Sinon, c'était trop facile. Oh, punaise. Hop. Non, il me la faut encore hein, pour mettre le yé. Donc, c'est le gros. C'était celui-là. Voilà, très bien. Donc moi je mets le yé. Après le fil, je vais le faire. Auprès de cette longueur. Parce que je vais le faire en tenir comme ça. Et de ce côté, comme ça. Voilà. Là, je viens de fermer. Ça fermera comme ça. Donc ensuite à l'intérieur pour les feuilles. Le massicot, ça j'en ai plus besoin. Alors j'ai pris 20 feuilles pour faire deux petits livrets. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on va faire 19 de hauteur par
19 de hauteur. J'ai 13 et demi. Si je fais 13, 19 de hauteur par 13. Alors, 19 de hauteur. Je crois qu'elle faut 21 les feuilles. Elle n'a pas manqué beaucoup. Hein. Non, c'est pas par 13, c'est par 26. Si je coupe par 13, ça va pas être bon. 19 par 26. Normalement, ça devrait être bon. On plie en deux. On vérifie. Que ça déborde pas. Voilà. Donc on va couper les autres. Là il y a les deux paquets de feuilles. Alors j'ai fait un trait à 3 cm. Je sais pas si vous voyez. 1 à 9,5. Et là en partant du bout là, j'ai refait à 3 cm. Alors je vais faire avec le. Alors là, je fais mon petit picot là. Oups. Ou alors je vais faire mon picot. Allez. Est-ce que j'ai ma gomme là-dedans? Normalement, j'ai la gomme. Là. Mes petites. Les épingles pour pas que le papier bouge. La gomme est là. Et on fait le trou. Et on fait le trou. Et le troisième. Voilà, ensuite l'autre. Après, si vous n'avez pas la même dimension de carnet, ce ne sera pas la même dimension pour les trous. Mais je mets toujours 3 là et après le centre. Après, je vais prendre le petit carnet. Normalement, on a 2 cm.
ici. Mince. 2,5 cm. Donc on va en faire 2,5 cm. Le milieu, c'est 1,2. 5, 6, 7, 8, 8, 10, 8, 16, 20, 24. 5, 6, 7, 8. 0,8, 5, 6, 7, 8 et 0,8. Je fais pareil en bas, 0,8 et 0,8. Je vais le remontrer là pour savoir où je vais. Après, je passerai un coup de gomme, hein. Et là. Je vais me positionner le carnet. Sur le premier trait, qui est là. Je regarde que ce soit à peu près pareil en haut, en bas. Donc il va falloir un trou ici, ici et ici. Et je recule. Il va falloir un trou ici, ici et ici. C'est le petit. Non, pas du tout. Je vais y arriver. Après, moi j'ai mis que deux pour faire deux petits carnets de papier à l'intérieur, mais on peut en mettre un troisième, hein. La laine, l'aiguille et les deux livrets. Ah oui, non, faut que je prévoie. J'ai fait un petit bijou. Pour mettre derrière à l'album là en haut, pour mettre en haut là, donc je vais prévoir pour que ça fasse comme ça. Donc je vais prévoir un trou en haut là, il faut que je fasse un trou en haut au milieu vers le bord, parce que mes anneaux ne sont pas très grands. Si je puisse le passer après, je vois pas.
Voilà, comme ça je pourrais mettre mon... C'est pas centré du tout ça. Mon aiguille. Le ciseau. Alors, de l'autre côté. Yes. Allez. Donc, on prend le premier. Dans le premier trou. Donc je suis allée chercher ma petite boîte, prendre un anneau. Voilà. Je vais mettre mon... Ça m'aurait point étonné. Est-ce qu'on voit ce que je fais là? S'il doit serrer un tout petit peu. Ah, pas le doigt, c'est mieux. Bon, là, c'est serré à fond. Et bien, voilà. Là. Et voilà ce que ça donne. Une fois. Terminé. Avec le petit... Je trouve que c'est sympa. Pochette, les deux livrets, le papier, et voilà. Après là, on peut mettre des tags Harry Potter qu'on télécharge sur Pinterest. Hein. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Bonne journée, bon scrap. Ah oui, j'ai oublié. Alors, je mets des coins. Ceux-là, je les avais achetés sur... Je crois que c'est Wish ou eBay ou... Je sais plus. Ça fait longtemps que je les ai.
Pourquoi il s'écarte, lui? Et bien voilà. Un Geekcoin. C'est fini. Ah oui, je voulais vous montrer celui que j'avais fait. Alors ça, c'est avec les embellissements en fer qu'on trouve à Action, en fait. Donc, j'ai pas fait de... Je l'avais fait avec du papier à l'intérieur. Du papier que je vieillis au café. Voilà, c'est une autre alternative si on ne veut pas s'embêter à faire qu'on n'a pas de pistolet à colle. On met un embellissement, la ficelle sur l'embellissement. Et on ferme comme ça. Voilà, c'est un autre style. Allez, bonne journée, bon scrap.